On se retrouve pour un nouvel épisode d'Harry Potter Lego, l'année 5. On se retrouve là où on s'était laissé dans l'épisode précédent. J'ai mis mon chronomètre, donc cette fois-ci je ne pense pas faire un épisode de 55 minutes. Je vous promets, je pense que je n'ai pas encore... Je tourne à la suite, donc je n'ai pas encore diffusé, mais je pense que dans les commentaires vous êtes en train de râler dans les commentaires en mode c'est trop long. Donc là j'ai prévu mon petit chrono pour m'arrêter au bout de genre... 20-25 minutes, et si le chapitre ne se termine pas, j'arrêterai à ce moment-là, et si le chapitre se termine, et ben tant mieux, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve avec Hermione, Harry et Ron, toujours partis pour aller... J'ai toujours pas retrouvé mon mot que j'avais besoin, hein, mais c'est pas grave. En gros, on a besoin d'élèves pour continuer les cours de défense contre les forces du mal qu'Ombrage ne veut pas nous faire. Et du coup, c'est Harry qui va nous servir de professeur. Ok, ça c'est le premier élève, donc c'est cool. Ça c'est fait. Ah ok, merci, sympa. Merci de nous aider. C'est pas un... Non, j'allais dire que c'est un autre élève, ça, mais non. Ok. Ah, mince. Je pensais qu'on pouvait sauter dessus, mais non. Ok. Donc là, on s'en va vers Préolard. Puisque c'est là où se tient normalement la réunion pour chercher des élèves à participer au truc. C'est quoi ça? Ah, c'est un journal. Ah ok, on a eu un journal. Je sais même parce que ça nous a rien débloqué au final. Mais bon. Oh, on a délivré des bébés dragons ou des bébés sombrales, je sais pas. Je sais pas trop. Ok, ça donne juste des pièces en plus. Là aussi je passe, voilà. Bon, bref. Alors, non, il me faut encore des pièces. Je pense qu'ils sont là. Voilà. C'est trop chou le petit bruit qu'ils font. Là, je suppose que ça va nous débloquer un truc pour qu'on puisse passer. Genre une statue. Oui, une statue pour là. Et là j'ai l'impression qu'on va, plus à Poudlard qu'à Préolard. Parce que c'est la porte avec les sangliers. Bon, on va voir notre réponse tout de suite. Je vais juste prendre les pièces. Allez, venons. Ah oui, c'est Préolard là. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Perchoir et boue, non, c'est pas perchoir et boue, c'est un perchoir. Ok, ça a lancé des trucs, mais qu'on s'en fout. Là, on peut toujours pas. Ah, si, on peut le détruire. Ok. Bah, allons voir ce qui se passe. Ça sert à quoi? Pourquoi on a besoin d'une pelle? Et là, ça sert à quoi ce truc? Ah, bah. Ah non, j'allais dire pour creuser ça. Ah non, non. Il y a une patte d'animal dessus, donc il doit avoir une utilité. Là, je sens qu'il y a un élève. Oui, il y a Luna. Oui. Elle veut une théière. Ça va, vous ne demandez pas des trucs. Bon, ça va aller là. Des trucs trop chelous. Tiens, ma cocotte. 2 sur 4. Ça sert à quoi ça sert? Ah, ils sont là les deux derniers. Normalement, il y a Neville et il y a Cho. Bon, enlève toi de ta cachette. Mais il doit bien avoir une utilité au truc, hein. À la pelle. Là. Ah, voilà à quoi servait la pelle. C'est pour lui. J'aime bien ce principe de ramener des choses à des gens. C'est cool. Voilà. Mais là, en gros, on les achète un peu leur participation au truc. Hein. Au final, c'est parce qu'on leur offre des trucs qui viennent avec nous. Ok, là, il y a une potion à faire. Ah oui, il y a une potion pour tirer le truc de force. Et du coup, on va pouvoir prendre une fleur.
Oh oh oh, on se détend. C'est bon le truc? Ouais, je... Voilà, je peux reconstruire. Et il me manque le truc là. Oui, mais tu sais, j'ai déjà pris ton bras donc j'ai même pas besoin de toi au final. Là, je peux pas rentrer. C'est pas là-dedans? Non. Oui, oui, je sais qu'il manque un ingrédient, je sais. À quoi ça sert? Coincé le truc. Il est coincé le truc. Ah, il est là. Il est là. Mais il s'arrête plus de danser lui. Voilà. Du coup, je prends la potion. Là. Et je peux tirer là-dessus. Hop. Bien sûr, c'est pas celui-là. Allez, donnez-moi des fleurs. Voilà, le bouquet de fleurs. Genre, on offre le bouquet de fleurs à Cho alors qu'on est amoureux d'elle. C'est une blague. Et voilà, on a tout le monde. Ouais, qu'est-ce qu'on va encore faire? Pardon, je voulais pas faire du mal. Là, il y a une plaque violette. Ah, il y a un truc Weasley, mais comme vous voyez, il est en transparent. Donc, je pense que c'est ça qu'on va pouvoir débloquer ensuite. Quand leur magasin sera débloqué. En gros, il faut qu'on prenne pâte au rond. J'appuie sur B. Ah, je sais pas, c'était bugué, ok. C'était bugué parce que j'appuyais sur B, ça ne voulait pas le sortir. On a débloqué quoi? Non, me donne pas de sort. Mais voilà, c'est ça que je veux. Ah ok, il y a d'autres trucs à faire avant. Mais peut-être faut que je reprenne le truc pour que ça le fasse. Je pense qu'on va débloquer plusieurs trucs. Bon, on va faire ça tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Voilà. Et là, je pense qu'on a tout débloqué. Voilà, on a tout débloqué. C'est ça, c'est à ça que servait la plaque violette. Et voilà. Il y a aussi un autre truc là. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que ça, c'est un truc pour Fred et George. Tu vois pourquoi je le sens bien? Parce que je peux rien faire de plus. Oui, c'est le truc qu'il faut se servir avec les chaussures collantes. Je me rappelle. Ok, ça on met ça là. Ah, voilà, on va au café. Oui, trop bien, le café. Ok. Donc là, on va débloquer les autres. Débloquer quelqu'un d'autre que je ne sais pas qui c'est. Ah si, il y a aussi Finnegan aussi. Pour qui est la pomme? Qui veut la pomme? Personne veut la pomme? Ah, c'est pour ça. Ah non! Ça c'est pour toi ça. Il y a une patte. Genre maintenant il faut que... Mais non, mais choisis le bien. Ok, donc là on a un truc de squelette, c'est pour elle. Voilà. Ça c'est fait. Lui il veut une plume, je crois. Là il y a un truc à reconstruire, ouais. Ah bah c'est ça qu'il veut je crois. Bon c'est pas une plume.
C'est une île Caillou Dragon, je pense. Ou un truc du genre. Qu'est-ce qu'il nous fait? Hop. Voilà, lui il nous suit aussi. Et la dernière, c'est Ginny. Mais Ginny, elle veut juste un bisou en fait, ce qu'elle veut, dans la vérité. Elle a pas besoin de quelque chose, elle veut juste un bisou d'Harry. Bon, où est le truc? Ah. Y. Oh, on fait des marionnettes avec Voldemort et Harry. Qui va gagner? Ok, on ne sait pas qui a gagné. Tiens. Oh. L'autre jour en fait, l'autre épisode, j'aurais pu continuer un petit peu et finir le truc. Bon, c'est pas grave, tant pis. Là, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour arrêter l'épisode ici, donc tant pis. J'espère que le prochain ne sera pas trop long, comme ça je ferai une pierre deux coups et je pourrai me remettre dans un épisode, un chapitre. Donc voilà, on a notre petit ordre du phénix, même si je crois qu'à ce moment-là, c'est pas vraiment appelé comme ça, mais en tout cas, on a notre petit groupe pour faire des cours. Et donc, là, va s'en suivre de trouver un endroit pour les faire, ces cours-là. Et on a vu aussi Cho qui est jalouse de... Même si à ce moment-là, elle n'est pas vraiment amoureuse de Harry, puisqu'elle regrette la mort de Cédric, puisqu'elle est amoureuse de lui. Donc on va dire qu'elle va un petit peu se consoler dans ses bras. Et on voit qu'elle est un peu jalouse que Ginny lui fasse... voilà. Parce que Ginny est amoureuse de lui. Bref, des histoires de cœur, quoi. Continuons cette histoire. Ok, donc eux ils ont traduit ça comme en fait Harry leur a donné les bons livres pour apprendre les sorts et finalement Umbrage les récupère. Et du coup on a besoin quand même d'une salle pour apprendre les cours que Harry peut nous faire. Donc en gros je suis allée un peu trop vite en besogne je crois. Tiens, qu'est-ce que tu veux? C'est ton appareil photo? Bah oui, c'est écrivé. Ouais, et qu'est-ce qu'il faut me débloquer? La clé. Ok, d'accord, merci. Merci bien. Et donc on voit Neville qui trouve une salle secrète qui est la salle sur demande. Et je suppose qu'on va aller là-dedans. On va aller la chercher. Ah, il y a des nouvelles statues. Ah ouais, il n'y avait pas tout ça. Bref. Où est cette salle? Là. La porte elle est fermée? Ah non, elle est ouverte. Ok. Bah c'est bon, elle est là. Ça, je comprends toujours pas à quoi ça sert, ces chadrons là. Allez, on y est. Ouais. Trop cool. Faut qu'elle s'ouvre aussi. Voilà, merci. Ah.
Donc voilà, il y a aussi Fred et George qui se sont joints à nous. Mais eux, ils avaient pas besoin de... appuyer sur X pour lancer. Ok. C'est ça, seulement vaincu un tel sauvage à votre couleur. Ah, il faut le blanc. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux. D'accord, d'accord, j'ai suivi. Violet. Bon, ça va, c'est pas compliqué au final. Hein. Voilà! Oula, 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 oula! Ouais. Et c'est quoi là? C'est toujours violet? Ah 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 ah. Ok, d'accord. Je peux tout suivre, mais bon, c'est pas grave. Ok. B. Ah, je peux me protéger des sorts. Ok, d'accord. Là, ça m'apprend à comment me battre. Je crains le pire. Je cherche pas Cocotte, je te barre à chaque fois. Ouais, j'ai appris le duel. Même si je pense qu'il va me falloir du temps pour que je m'y habitue, hein, parce que j'ai pas tout compris du premier coup. Oh, c'est Noël! C'est trop mignon, le premier bisou de sa vie. Donc comme vous voyez, Cho était en train de regarder l'image de Cédric qui était détruit à la fin. Et ils se sont embrassés, voilà. Et on voit Ginny aussi qui est folle amoureuse de Harry, mais qui... Harry est un peu gêné puisque c'est la sœur de la petite sœur de Ron. Donc, c'est un peu gênant de sortir avec la petite sœur de son meilleur ami. Donc voilà, là les cours avancent bien puisque c'est la période de Noël. Donc les cours ont déjà bien avancé. Déjà on a appris le duel pour se défendre contre quelqu'un qui nous attaque. Donc déjà c'est plutôt pas mal ça quand même. Et du coup là je ne sais pas ce qu'on va faire. Et d'ailleurs on n'a pas eu la retenue. C'est bizarre non? C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit trop qui fait flipper là. Genre quelqu'un qui crie et tout. Là, je pense qu'on va dans notre dortoir. Ça y ressemble fort. Je sais plus ce qui se passe à Noël à ce moment-là. Plus et plus. Je me rappelle vraiment pas bien de celui-là. Ok, donc là il s'est passé pas mal de choses. Donc Harry continue à faire des cauchemars où il voit Voldemort, mais là cette fois-ci c'était différent. Puisqu'il voyait comme si c'était lui le personnage principal, la première personne.
Et on a vu un endroit que je vous ai dit dans les premiers épisodes avec, de ce jeu avec Jus. La fameuse porte au ministère qu'on a revue et derrière laquelle il y avait le père de Ron qui s'est fait attaquer par la première personne de son rêve. Donc c'est pour ça qu'il a prévenu tout le monde, Dumbledore et tout ça, qu'il se faisait attaquer. Pour pouvoir aller le sauver. Et pendant ce temps-là, Dumbledore demande à Rogue de nous apprendre l'occlumensie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, c'est pour empêcher que Voldemort rentre dans son esprit et qu'il puisse... que Voldemort se serve des informations qu'il a envie de souhaiter autour d'Harry. Et pour aussi éviter que Voldemort rentre dans l'esprit tout le temps comme ça, dans ses cauchemars et tout ça, parce que c'est pas très très sympa. Oh oui, vas-y, viens! Non mais ça c'est trop chou quand même! Harry et Ron qui font de la balançoire. Oh, trop choupi. C'est quoi ça? C'est un trampoline? Oui! On a bloqué qui? Membre de la bande de 2D. On s'en fout. Et du coup, là, on est dans nos souvenirs. Comme vous voyez, nous sommes dans le parc. Du début avec avec Dudley qui nous avait embêté. Oh là là, les frises. Est-ce que lui il a... Oh, heureux, mon jeu a frisé, du coup ça a coupé mon enregistrement. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et du coup j'étais en train de dire ce qu'il disait là. Utiliser Rogue machin bidule. Vas-y. Tu peux pas me répéter ce que tu veux. Utilise Rogue pour apprendre à Harry comment se concentrer en lançant un sort sur le nuage. Ok. Un gâteau. Allez Harry, un gâteau. Oh 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 oh. Je sais que t'as envie de le frapper, mais... ok, donc on veut donner à Dudley un gâteau. Où est-ce qu'il y a un gâteau? Comment je peux savoir où est-ce qu'il y a un gâteau? Ouais. Mais je veux bien, mais j'ai pas d'animaux, donc bon. Je comprends pas comment je suis censée faire. Et ouais, je veux bien. Ah ok, il me fallait des pièces pour construire un truc. Ok. Qu'est-ce que ça va construire? Une grue. Ok. Ok, fort utile. Je m'en fiche, moi je veux un gâteau. Ça m'explique pas comment je suis censée faire moi. Je comprends pas. Je m'en fous de la cape. Encore une fois, c'est pas clair. Ça me saoule un peu. Pourquoi c'est pas clair à chaque fois? En plus, il y a que des trucs pour creuser avec un animal. Sauf que Harry n'a pas d'animal. Donc bon. Je veux bien, mais. Me bloquer encore again. Ça a une utilité pour un truc. Ah, ça creuse. Ça creuse, c'est bloqué.
Je comprends rien. Passé là. Là, ça a cassé un truc. Non, mais c'est vraiment moi qui suis nulle ou c'est vraiment pas clair? Parce que son gâteau, je viens lui donner son gâteau, mais je n'ai pas de gâteau moi. Je l'ai coincé mon truc. Oula, 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 oula. On s'éteint, on s'éteint. Le seul truc que je pourrais gratter là, c'est ça. Mais le bas. C'est une blague quand même. C'est une blague. Alors à chaque fois, j'essaie de chercher par moi-même parce que je me dis, je vais pas regarder la solution à chaque fois. C'est nul, sinon ça n'a pas d'intérêt de jouer. Mais s'il vous plaît, quoi. Aidez-moi un peu plus. Ça serait sympa. Je vois pas ce qu'il y a à creuser en plus. Bon, on va regarder la solution, encore une fois. Re, donc je viens de regarder un petit peu ce qu'il fallait faire et en gros j'avais trouvé la solution puisqu'on me dit de faire ça. Voilà, donc j'avais trouvé le truc et au final c'est juste que je ne me prenais pas comme il fallait. Donc là, j'ai pas vraiment triché, hein. J'avais trouvé le truc. Et voilà le gâteau que Monsieur Dudley veut. Ce qui m'étonne pas vu que c'est un gros lard et qu'il adore manger. Voilà. Voilà. Ok, deuxième souvenir. Alors là, c'est quoi comme souvenir? Ah, si, c'est dans la maison de l'Ordre du Phénix, puisqu'il y a Sirius et tout ça derrière la porte. Ça, c'est Molly, c'est la mère de Ron. Ah oui, c'est à lui de faire. Pardon, pardon, pardon. Ok. Ah oui, il veut la prophétie. C'est la prophétie, ça. La fameuse prophétie. La plus importante. Ce qui est la cause de tout au final. Ok, donc on a besoin de la boule de prophétie. Est-ce qu'on peut aller en haut? On peut pas aller en haut. Donc il n'y a que là. Est-ce que c'est pas lui qui peut sauter ça? Non, il peut pas. Pourquoi il peut pas lui non plus? Ah, bah elle est là. C'est ça qu'elle a besoin en fait. C'est pas un truc de clémentie en fait. C'est juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas tout. Là, il y a une toile d'araignée. Ah, c'était pour ça. C'est pas un balai. Voilà. C'est la galère pour y arriver. Voilà une photo des parents de Harry avec Sirius et Lupin. Puisqu'en fait, c'était ses amis. C'est les amis de ses parents, en fait. Ils se connaissaient depuis tout petit, puisqu'ils ont été à Poudlard ensemble. Ok, t'as eu ton truc. Y a encore un souvenir ensuite ou pas? Voilà, il y a tout le monde derrière la porte, comme vous voyez. Ok, donc là, on est carrément dans la salle sur demande. Où on s'est entraîné à faire nos petits cours. Et du coup, ce qui est un peu dangereux parce qu'au final, on montre ça à Rogue. Elle veut sa baguette. C'était quoi ce rire?
ce rire d'affreux méchant. Voilà, bah, c'est pas compliqué, hein. Voilà ta baguette, cocotte. C'est qui d'ailleurs? C'est Hermione? C'est Cho. Non, c'est Cho, forcément. Voilà. Et le fameux dernier souvenir, puisque c'est son cauchemar. Le fameux cauchemar où il voit le père de Ron se faire attaquer d'ailleurs par un serpent, puisqu'on le voit dans le reflet du truc. Donc on se doute bien de quel serpent ça s'agit. Et qui est derrière tout ça. Si vous n'avez pas compris, c'est Voldemort. Hein. En même temps, dès qu'il se passe quelque chose de mal, c'est toujours lui qui est derrière. Qu'est-ce que je dois reconstruire? Un panier de basket? Ça ressemble fortement à un panier. Ah non, c'est une épuisette. À quoi ça sert? Ah, c'est pour attraper le bout de papier. Ok. Aïe, parce que là-bas, regardez. Je pense que c'est ça qu'on doit lui donner. Le bout de papier. Oh, y a plein de trucs aussi. Bon, on va remettre le M de magie, je suppose. Ou ministère. Je sais pas. Bref, j'espère qu'il n'y a pas 12 millions de trucs comme ça. Voilà, on s'en fiche. Voilà. Ça, c'est Fudge. C'est Fudge. Et il veut... Voilà, le truc en papier. Tiens, mon gars. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a encore un? Ah, ça n'en finit plus. Oh, le fameux rêve. Puisque c'est là qu'il voit Voldemort à chaque fois. C'est sur ce quai de gare. Donc voilà, c'est pas très jojo. Hein. Ce rêve-là, à chaque fois, il est pas très agréable à voir. Ah voilà, le fameux. Et voilà ce qu'il veut! Ok, donc ça va. Au moins, je suis contente que cet épisode, ce chapitre n'ait pas été très long comme ça avec la fin de l'autre. L'épisode aura duré une trentaine de minutes, donc ça va. Donc voilà ce qu'on a découvert aussi en partageant je sais pas comment on peut expliquer ça. Le cerveau entre guillemets de Voldemort, c'est de savoir ce qu'il recherche. Et ce qu'il recherche, c'est ce que je pensais que Molly voulait, mais en fait pas du tout. C'est la boule de. Ah, pour lire la prophétie, pardon. Oui, la boule de prophétie. Prophétie très importante puisque c'est ça qui a tout déclenché entre Voldemort et Harry. Et donc, on verra ça par la suite dans le prochain épisode. Bah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre un petit like. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous fais de gros gros bisous et ciao!